Voilà, donc pour le moringa, faut pas respirer la poudre. Tellement elle est fine, elle va dans les bronches. Donc mettez-vous dans un flux d'air, là, ça sort par la fenêtre. Donc là, tout y est passé, hein, la spiruline, elle est dedans. Et puis, eh ben, aussi le gingembre séché en poudre. Hein. Donc voilà, donc ça nous fait un super. Donc, oui, j'ai des questions là. Donc pour le moringa, regardez, c'est un bon vert, c'est une feuille, hein, c'est la poudre d'une feuille d'arbre. Bah regardez quoi, si la caméra arrive à vous montrer quoi, ici c'est 200, les 200, 200 francs, 200 roupies, donc ça fait le pactole. Et puis ça zoome pas, mais bref, c'est du. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça va pour. Vous pouvez la mettre comme ça en poudre, sur la langue, dans la salade saupoudrée, en thé, surtout, les gens la consomment en thé. Bourré d'antioxydants, bourré de vitamines, bourré de tout. Hein. Donc si on regarde, ici, moi j'avais jamais découvert en Suisse, mais là, moi il y a les Goya, hein, comme on dit en Suisse, vraiment. J'ai mis 100 grammes, hein, je crois que c'est 150 grammes. Ah ouais, c'est pour ça que ça déborde. Bon, il n'y a plus qu'à touiller, mais ça fait vraiment une poudre. Regardez, c'est voilà, regardez, je sais pas si on voit, c'est une poudre qu'il faut pas, faut pas respirer, c'est très léger. Regardez, il y a la spiruline qui ressort, il y a la spiruline qui ressort. On voit rien, mais ça sent super bon. Voilà, à bientôt.